Bon. Ben, dans de nombreux bocages, il existe des fruitiers qu'on a d'héritage, des très vieux fruitiers qui ont des fois plus de 100 ans, dans plein de variétés, les châtaigniers notamment, comme on a là, mais aussi pommiers, poiriers, etc. Et ces arbres-là, ben, il faut en prendre soin pour qu'ils continuent à durer. Souvent, c'est des arbres qui ont été sélectionnés par les paysans d'autrefois. Et ces paysans, eh bien, ils les avaient repérés quand ils allaient au champ et ils avaient greffé dessus des variétés fruitières du territoire. Donc il faut savoir que, par exemple, en 1860, André Leroy, qui était pomologue, avait recensé plus de 1000 variétés de pommes et 1000 variétés de poires en France. C'est pour vous dire la diversité qui existait, chaque pays avait une grande quantité. Ces variétés, elles étaient gagnées, ce qu'on appelait gagnées, c'est-à-dire créées par multiplication locale, par sélection locale, et ça donnait à chaque fois des fruits différents. Donc on a l'héritage de tout ce patrimoine qu'il faut gérer, et chez les châtaigniers, on a un souci actuellement, c'est que ces vieux châtaigniers qui ont été greffés sont souvent laissés à l'abandon, comme c'était le cas pour celui-là, et on peut commencer à s'apercevoir que la partie greffée, la partie fruitière, est en train de dessécher, de mourir, par le fait que le porte-greffe, c'est-à-dire le châtaignier sauvage sur lequel on a greffé la variété, eh bien, lui a rejeté du pied et a fait des, ce qu'on appelle les gourmands, des réitérations puissantes qui ont pompé toute l'énergie et qui ont fatigué la partie haute. Donc il est indispensable, évidemment, comme premier acte, de couper, comme on vient de le faire, les gourmands qu'il y a au sol, tout ce qui repart du pied en dessous le point de greffe. Ça, c'est vraiment essentiel, beaucoup plus que d'aller chercher les branches mortes. Les branches mortes, elles sont mortes, elles ne vont pas redonner de la dynamique et de la vigueur en haut. Il faut absolument arrêter que cette vigueur se limite et soit orientée principalement sur les gourmands et maintenant la réorienter vers la partie haute, la partie fruitière. Ce qui est très important dans le recépage, dans la coupe des gourmands, c'est de le faire le plus bas possible. Ainsi, on laisse très peu de bois jeune en apparence et en lumière, ce qui fait qu'on va limiter le nombre de redémarrages, la réapparition de bourgeons dormants, le réveil de ces bourgeons dormants qui vont refaire de nouveaux gourmands. Alors bien évidemment, on essaye de les couper le plus bas possible pour diminuer cette réapparition, mais malgré tout, ça va repousser et il faudra réintervenir à nouveau. C'est de l'entretien comme n'importe quel fruitier dans son jardin. Voilà. Tu me dis. Alors, ce qui peut aussi être fait pour la conservation de ces vieilles variétés locales, quand bien même on n'a pas encore retrouvé le nom et l'origine de ces variétés, c'est déjà de les multiplier. Parce qu'effectivement, sauver les arbres existants, c'est la première étape indispensable, mais la deuxième, ce serait de les multiplier. Alors, pour les multiplier, il faut arriver à repérer dans ces vieux arbres qui ont plus de vigueur et plus de croissance, des rameaux quand même assez longs, assez gros de l'année, sur lesquels on a des bourgeons, où on a plutôt un bel état de rameaux, et à partir de là, on va pouvoir regreffer ça en pépinière et multiplier l'arbre. Cette multiplication va pouvoir se faire, on va ainsi conserver l'individu, l'espèce, et la réinstaller dans les replantations bocagères du secteur. Donc là, on a complètement le châtaignier. Le châtaignier greffé fait un bois beaucoup plus coloré, qui est superbe d'ailleurs, là on a une coupe de branches qui est magnifique, et puis bien souvent la taille des fruits est plus importante, là on le voit, donc on appelle ce communément nous ces marrons, les marrons noirs des Mauges, mais sans aucune certitude, sans aucune garantie que il s'agit bien de cette appellation et de ces fruits là. Nous allons continuer à rechercher pour vérifier que effectivement ce qu'on trouve comme châtaignier dans le secteur correspond bien à une variété spécifique et que c'est bien celle du marron noir des Mauges. Voilà. C'est bon ?
Ça, faudra le faire passer, ça, le message. Ouais. Les arbres ne sont pas des piquets. Tu vas chez un marchand de piquets quand tu veux faire des piquets. Eh, hey, tiens, tu vas faire une démonstration de piquets avec ces deux brins-là. Hein? Tu peux faire une démonstration de piquets directement? Exactement. Exactement. Ça va être super pédagogique parce que là, on voit les barbelés dans les arbres. Remettre ta clôture. Tu veux une masse? Fin de la vidéo. Je sais même pas si j'ai une masse. Ils sont ah ouais, mais tout de A à Z quoi. Il y avait deux piquets à faire. Regarde, c'est des beaux poteaux. Hein. Ouais. Oui, ils sont beaux. Hein. Ah oui. Je les avais vus en arrivant. Ah, il y a des beaux piquets.